bonsoir et merci de suivre ce journal. Au sommaire, journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres ce 9 juillet. En RDC, la cérémonie officielle a eu lieu à la cité de Kassangoulou. La population a été sensibilisée sur les dangers des armes légères. À Kinshasa, plusieurs grandes avenues ne sont pas éclairées la nuit et cela serait l'une des causes des accidents. Le cas de la route bypass dans son tronçon compris entre rond-point Gaba et Cité Verte. Nous aurons un invité dans ce journal, M. Bob Nzoyi Bengene, professeur d'université, auteur de l'ouvrage Banque, gouvernance et gestion prudentielle. Dans cet ouvrage, des recommandations sont formulées à l'endroit des potentiels investisseurs dans le secteur bancaire, les banques et l'État congolais. Mesdames et messieurs, grand est notre plaisir de vous informer. Hier lundi, le président de la République a présidé la deuxième réunion de la Task Force du Haut Commandement Militaire. Au cours de cette réunion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a ordonné au Haut Commandement Militaire de mettre en œuvre les mesures décidées pour garantir l'intégrité territoriale du pays. Blandine Zovo. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui la task force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs d'opérations militaires venus du front, le vice-premier ministre en charge de la défense, le ministre des Finances, mais aussi les responsables des services de sécurité et certains conseillers du président de la République. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la task force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé ce mardi la première réunion de la commission interministérielle spéciale politique, justice, défense et sécurité. Un seul point était à l'ordre du jour, la présentation de l'organisation et la fixation du cadre du travail. Sandra Nyangi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a présidé ce mardi la première réunion de la commission interministérielle spéciale politique, justice, défense et sécurité. Cette structure compte au nombre d'autres commissions qui traitent et approfondissent les dossiers spécifiques des différents ministères de ce domaine au niveau du gouvernement. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, la présentation de l'organisation et la fixation du cadre du travail. Le président de la commission, Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a rappelé les contraintes du règlement d'ordre intérieur de la commission et les attitudes à adopter. La réunion a connu la présence de membres du gouvernement qui font partie de cette commission. Les orientations dans la diplomatie congolaise pour des solutions sécuritaires dans l'est de la RDC, cette question a été longuement évoquée au cours du briefing co-animé hier par le ministre de la Communication et Médias et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Suivons un extrait. Coupant court à la polémique au sujet du prétendu dialogue de paix entre Kinshasa et Kigali en Tanzanie, Thérèse Kayikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'a dit à haute voix au cours d'un briefing co-animé lundi 8 juillet 2024 avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, le processus de Luanda est le seul et unique cadre. Nous allons accompagner le chef de l'État
au niveau de notre diplomatie et de nos efforts de plaidoyer en ciblant les organisations internationales, les États membres de ces organisations internationales, mais aussi en continuant les efforts diplomatiques dans le cadre du processus de Luanda, qui devrait nous aider à trouver une solution durable à la situation dans l'est du pays. Le processus de Luanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui affecte la partie est du pays. En rapport avec la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique, il faut contextualiser l'initiative de Washington qui a proposé une trêve dans le cadre des bons offices. Les bons offices en diplomatie, tout le monde peut en faire usage. Je pense que les États-Unis d'Amérique en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la République démocratique du Congo et le Rwanda, et se proposent justement pour faciliter une trêve. Une trêve, encore une fois, humanitaire, qui pour nous est importante parce qu'elle offre un répit à nos populations. Les Américains ont proposé, la RDC a accepté, et de l'autre côté, ils ont accepté. C'est pas eux-mêmes qui ont décidé, bon, on va imposer la trêve, et comme la Mineta l'a dit, nous attendons plus. Parce que nous vivons tous comme dans une forme de contraste. Tout le monde s'est plaint de la gravité de la situation humanitaire. Toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on aide. Mais nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour, par exemple, nos populations déplacées, c'est les retours dans leur milieu d'origine. Et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, il nous faut la paix. Concernant les plans de désengagement de la MONUSCO, Thérèse Kayikwamba a précisé qu'il s'agit d'un plan élaboré et avalisé par les gouvernements de la RDC et les Nations Unies. Ce plan est structuré en trois phases. La première couvre le sud Kivu, la deuxième le nord Kivu et la dernière Ituri. Kinshasa, selon Thérèse Kayikwamba, veut un retrait responsable, durable et ordonné de la MONUSCO. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a indiqué que le gouvernement de la RDC est là pour les grandes orientations diplomatiques dans le cadre de ce nouveau quinquennat du président de la République. Agissant ensemble en faveur de la destruction des armes illicites et la réduction de la violence armée qui en découle, c'est le thème de la Journée internationale des destructions des armes légères et petits calibres célébrée ce mardi 9 juillet en RDC. La cérémonie officielle s'est déroulée à Kasangulu dans le Congo central et présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabanis. Un reportage de Bobo Mokondi. C'est à l'école de police de Kasangulu dans la province du Congo central qu'a eu lieu la célébration de la Journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres. C'est sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et par l'entremise de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. À en croire le patron de la Sécurité nationale, Jacquemain Chabani, la République démocratique du Congo, au travers la CNSS ALPC, a réussi de détruire plus de 200 000 armes et plus de 6 tonnes de munitions, y compris les armes de munitions collectées dans les opérations de désarmement civil volontaire. La Journée internationale de la destruction des armes légères est l'occasion pour tout un chacun de nous de prendre des initiatives visant à attaquer le fond du problème des armes légères, étant donné que pour chaque arme détruite, 10 autres sont produites. Dans son mot de bienvenue, Grâce Bilolo, gouverneur du Congo central, a remercié le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour avoir choisi sa province comme site pilote pour cette cérémonie. Cette lutte vise des objectifs, les désarmements, la possibilité de prêter concours à l'État pour voilà afin d'éviter les armes. Le secrétaire permanent de la CNC, ALPC, Landry Bissi di Chilombo, a pour sa part rappelé que la province du Congo central figure parmi les antennes de sa structure. Les activités de cette journée, qui a pour objectif de lutter contre la prolifération des armes légères, ont débuté en RDC le lundi dernier par une visite guidée du serveur central marqué en RDC à la base logistique centrale.
l'appui pour le retour de déplacés dans leur milieu d'origine demeure la solution durable à la crise humanitaire dans la province de Litori. Propos tenus par Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, après une rencontre avec le gouverneur de province. Reportage. En mission d'évaluation de la situation humanitaire en province de Litori, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Le Marquis, a échangé avec le gouverneur militaire de Litori ce lundi 8 juillet 2024. Le numéro 1 des humanitaires en RDC s'est félicité des avancées enregistrées sur les plans sécuritaires en Litori, malgré quelques poches de résistance. Nous sommes ici pour nous rendre compte sur terrain de la situation, notamment de la situation humanitaire. D'avoir un excellent échange avec le gouverneur qui nous a notamment expliqué tous les efforts qui ont été faits les derniers mois, puisque ma dernière visite remontait à septembre, les efforts qui ont été faits les derniers mois par rapport à l'initiative du ministère de la Défense notamment et du PDDRCS qui a conduit à la signature d'un certain nombre d'actes d'engagement et puis aussi tous les efforts de médiation qui sont en cours notamment dans certaines parties du territoire de Djougou et qui ont permis de ramener un certain calme dans certaines zones, entre certaines communautés. Et il y a même des marchés qui ont réouvert, des marchés mixtes qui ont réouvert. Donc ça, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Cependant, le besoin humanitaire en Ituri demeure très préoccupant, reconnaît Bruno Le Marquis, qui plaide pour des solutions durables qui consistent à appuyer le processus de retour de déplacés dans les zones déjà sécurisées par les forces armées. Dès que des opportunités se présentent, dès que la situation s'améliore, dès qu'une zone se stabilise, faire tout ce qui est possible pour que l'aide humanitaire diminue, mais qu'on assiste les populations à retourner chez elles, à retrouver leurs moyens de subsistance, leurs activités économiques, faire en sorte que les services sociaux de base, l'éducation, la santé fonctionnent pour que les gens soient incités à retourner chez eux grâce à une meilleure sécurité. Notons que cette mission tombe à point nommé à cette période où l'administration militaire de Litori se déploie sur tous les fronts contre les groupes armés qui ne respectent pas les actes de paix. Dans la ville de Kinshasa, plusieurs artères ne sont pas éclairées la nuit, ce qui serait à la base de certains accidents de circulation. C'est le cas de la route bypass dans son tronçon compris entre le rond-point Gaba et la Cité Verte. La route bypass dans son tronçon compris entre rond-point Gaba et Cité Verte se trouve actuellement plongée dans le noir. L'éclairage public ne fonctionne pas sur cette route très prisée par les camions grand tonnage qui font des navettes entre la ville-province Kinshasa et le Congo central. Cette situation est à la base de plusieurs accidents de circulation sur cette artère. Il ne se passe plus de nuit sans qu'on compte un accident sur ce tronçon. Tabatoza 19h, Tabama remorque. Et Kalinzela. Sur la route bypass, on enregistre beaucoup de cas d'accidents de circulation à cause de l'obscurité. Beaucoup de personnes meurent sur cette tronçon. Cette route, elle est presque abandonnée. Et pourtant, c'est la voie qui relie le port de Matadi à la ville de Kinshasa. Le noir qui caractérise la route bypass sur le tronçon rond-point Gaba Cité Verte a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ces coins de la capitale. Les malfrats en profitent pour extorquer les véhicules et motocyclistes aux paisibles citoyens entre 22h et 4h du matin. La route bypass reste toujours plongée dans le noir. C'est cette obscurité qui est à la base de l'insécurité avec le Kuluna qui aime opérer la nuit. Des personnes interrogées en appellent à l'intervention du nouveau gouverneur de la ville-province Kinshasa afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24 heures. Il se tient depuis quelques jours à Montréal, au Canada, la 49e session parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale représente la RDC. Vital Kamerhe a dénoncé l'agression rwandaise dans l'est du pays. Nous venons de faire passer, pour les frères adoptés, une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la ville de Montréal et sa souveraineté. Cette même résolution
met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui le soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'essentiel pour nous, c'est que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts, et on a fait allusion effectivement à notre Kivu, à l'Ituri, on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies. Rapports qui parlent finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquée de l'artillerie lourde dans la partie est de la ville de Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans le rapport ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Tous les pays du monde doivent œuvrer à protéger la République démocratique du Congo, qui est un pays solution. Et par sa forêt, sa forme, son hydrographie avec des eaux douces estimées à 53% pour l'ensemble de l'Afrique, 13% pour l'ensemble du monde, et ses énergies propres, non produites et renouvelables. 100 000 MW Inga à lui seul, 43 000 MW, capable d'électrifier et d'industrialiser l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie. Ces pays, c'est une chance pour l'humanité, c'est l'espoir de l'humanité. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son engagement à accompagner le chef de l'État pour le retour de la paix dans l'Est. D'autres détails dans son reportage de Annie Balaka et Alain Bikaï. Du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe en mission, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombay, a lancé une opération de capture des députés nationaux en vue de l'obtention des passeports diplomatiques le mardi 9 juillet 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Lancé en présence du secrétaire général aux affaires étrangères et de la questeur de l'Assemblée nationale, cette opération s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le bureau de l'Assemblée nationale afin de faire entendre la voix de la RDC à travers le monde. Le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombay a en outre signalé en octroyant les passeports diplomatiques aux élus du peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale veut également aligner tous ses élus derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accompagner son action diplomatique prometteuse face à l'agression barbare dont la population de la partie est de la RDC est victime de la part du Rwanda et de ses alliés. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation toute particulière qui traverse notre pays, il y a de plus en plus cette nécessité que les députés participent à l'action de sensibilisation de l'opinion internationale par rapport à cette situation. Plus précisément de sensibilisation de parlement, de pays amis qui doivent aller tout activer leur gouvernement respectif pour la compréhension commune de la réalité de cette agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et de ses alliés. C'était nécessaire que très rapidement que le grand député ait la possibilité de se mouvoir. Déterminé à faire entendre la voix de la RDC au concert des nations, le bureau de l'Assemblée nationale ne va pas laisser le chef de l'État seul au front pour recouvrer la paix durable dans la partie est de la République et permettre à la population de vivre paisiblement. L'amélioration du pouvoir d'achat de l'agent public et sa retraite honorable font partie des réformes portées par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liao a présenté deux notes essentielles au Conseil des ministres pour atteindre ses objectifs. Cédric Kenina. Oui, les lignes ont bel et bien bougé, mais le chemin à parcourir est encore long parce que bien des défis sont encore devant nous.
C'est pour cela que je voudrais nous inviter de pouvoir nous remettre au travail, au plus vite, afin d'être à même, petit à petit, de relever tous ces défis l'un après l'autre. Parmi ces défis, il y en a ceux qui se posent davantage avec acuité et qui revêtent un caractère vital. C'est le cas de la réforme des rémunérations ou de notre politique salariale, porteuse aujourd'hui de beaucoup d'injustices et de disparités. Cette politique salariale est dépassée. Elle doit être remplacée par une nouvelle. Et ce sera notre priorité des priorités, afin que chaque agent certifié, régulier et qui est à la tâche puisse mériter une rémunération juste et équitable. Après avoir annoncé les défis prioritaires pour son second mandat à la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présenté deux notes lors de la quatrième réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le vendredi 5 juillet 2024. À l'occasion, le Conseil des ministres a examiné et approuvé la première et la seconde note portant sur la mise en œuvre d'une politique visant la stabilité du pouvoir d'achat des fonctionnaires, la seconde concernait la pérennisation du processus de la mise à la retraite au sein de l'administration publique et la finalisation de la troisième vague en cours. Ces décisions prises par le gouvernement visent à garantir une meilleure gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique et assurer la continuité des services publics dans les meilleures conditions et améliorer les conditions de vie des agents et maintenir leur niveau de rémunération. Le ministre des Finances a présidé ce mardi la deuxième réunion de la Troïka, où note des avancées et des perspectives prometteuses pour la RDC, nous dit Sylvie Moimbre. L'examen du cadre macroéconomique donne des indicateurs qui, d'une manière globale, vont dans le sens de la stabilisation de l'économie nationale avec pour effet le renforcement du pouvoir d'achat de la population. C'est l'essentiel de la deuxième réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Doudou Fambalikoundé Libotaï. La vision du comité technique de suivi et évaluation des réformes n'est pas très éloignée de celle de la Banque centrale du Congo. Le coordonnateur du CTR, Félicien Moulinda, est très affirmatif dans ses précisions. L'évaluation a permis de constater qu'il y a eu des progrès qui sont aujourd'hui tangibles sur le plan de l'inflation. La réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrale vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique. Alain Difumba, directeur de la Banque centrale du Congo, a rappelé les conclusions de la sixième revue du programme économique du gouvernement. Le pays donc va s'engager sur un nouveau programme, toujours avec le Fonds monétaire, qui sera cette fois-ci appuyé par une facilité spéciale qui est le RST, donc qui porte essentiellement sur la soutenabilité et la durabilité. La Troïka politique continue de jouer un rôle crucial dans la coordination et la mise en œuvre des politiques économiques du pays. Les engagements pris et les perspectives discutées lors de cette réunion témoignent de la détermination du gouvernement à renforcer la stabilité macroéconomique et améliorer le bien-être de la population. Comme annoncé au début du journal, nous recevons à l'invité M. Bob Nzoyi Mbengene, professeur d'université, expert comptable. Aujourd'hui, nous le recevons en tant qu'auteur de l'ouvrage « Banque, gouvernance et gestion prudentielle » publié récemment. Bonsoir, professeur Bob. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie également pour votre invitation. Dans votre ouvrage, vous avez formulé plusieurs recommandations aux potentiels investisseurs dans le secteur bancaire, notamment ne pas apporter juste un capital correspondant au seuil minimal, mais plutôt un capital supérieur au seuil minimal en intégrant les pertes prévisionnelles. Alors pourquoi une telle recommandation ? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le régulateur qui est la Banque centrale fixe un seuil minimum de capital qui cette année est par exemple à 40 millions, l'année prochaine ça sera à 50 millions. Mais si une banque se permet de libérer juste ces minimums-là ou les actionnaires n'apportent que ces minimums-là, avec le perte prévisionnel, généralement, dans notre environnement, les banques ont du mal à faire un bon résultat durant les 3 voire les 5 premières années. Donc,
les pertes en fait vont absorber une partie de ce capital-là et les actionnaires seront appelés à rajouter encore un capital additionnel. Donc d'où cette recommandation pour ne pas avoir une forte pression durant les 3 ou les 5 premières années. L'idéal est de libérer un capital qui sera, je dirais, supérieur au seuil minimum. Pourquoi ne pas aller à 110-120% du seuil minimum fixé par les régulateurs? Que recommandez-vous aux banques qui existent déjà? L'appréciation du capital d'une banque se fait à travers les fonds propres. Juste à titre d'information, je crois que si on doit prendre nos 2 premières banques du pays, elles dépassent, elles sont autour de 400 voire 450 millions de fonds propres. Mais l'une de vos conclusions dans l'ouvrage fait quand même débat, si on peut le dire ainsi, quand vous dites qu'il n'y a pas de grandes banques en République démocratique du Congo. Un certain nombre d'agrégats que moi j'ai pu en fait définir dans le cadre de cet ouvrage, entre autres le poids du crédit sur le PIB, la capacité qu'a aujourd'hui une banque ou une de nos banques à financer en fait nos industries, les sociétés qui sont dans les grandes industries comme le secteur minier, comme le secteur des télécommunications. Et troisième élément, si je prends le total bilan, dans ces 3 agrégats-là, mis ensemble, j'ai défini une pondération. Et pour être grand normalement, de par cette pondération, il faut dépasser le seuil de 75%. Et pour être une banque moyenne, c'est entre 50 et 74%. Et curieusement, en faisant cet exercice-là, je me suis rendu compte qu'on n'a qu'une seule banque qui est de taille moyenne, une autre qui est petite et les autres sont plutôt des très petites banques. Et vous avez également évoqué la gouvernance. Alors, en quoi est-ce que votre ouvrage peut être utile à l'État congolais? S'il y a un référentiel adéquat aujourd'hui, s'il faut copier un modèle aujourd'hui, s'inspirer d'un modèle, il faut s'inspirer du modèle de la gouvernance des banques en RDC. Donc moi, je pense que cet ouvrage peut être adapté également pour les entreprises publiques, voir comment en fait copier les bonnes pratiques que je propose aux banques, on peut les mettre également en fait en pratique dans le secteur public. Ça permettrait à l'État congolais en fait de contribuer ou de faciliter effectivement en fait la gouvernance ou la gestion de nos entreprises publiques ou de nos établissements publics. Et alors, où trouver cet ouvrage? Il y a une maison d'édition qui est juste au niveau de la place des évolués, donc la maison des livres. On peut effectivement trouver cet ouvrage-là dans cette maison d'édition-là. Tout le monde qui va y aller, il peut en trouver, c'est sans problème. Ou sinon, on peut également passer à l'Université protestante au Congo ou à la HEC. Voilà, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau comme invité M. Bob Ndjoyi Mbengene, qui est professeur d'université, expert comptable. Il a plusieurs qualités, mais aujourd'hui, nous l'avons reçu en tant qu'auteur de l'ouvrage « Banque, gouvernance et gestion prudentielle » qui a été publié récemment. Monsieur Bob, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Poursuivons ce journal. L'État congolais doit rentrer dans ce droit. Les biens immobiliers de l'État spolié seront récupérés. Le ministre d'État, ministre de la Justice et celui de l'Urbanisme viennent de lancer une vaste opération au profit de l'État congolais. Cédric Kenina. L'opération s'annonce chirurgicale et précise. Chaque détail sera scruté pour récupérer les patrimoines immobiliers de l'État et mettre fin aux constructions anarchiques le long du fleuve Congo. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a été saisi officiellement par son collègue de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou-Panzou. Sans trop attendre, une commission spéciale sera mise en place pour mener cette vaste opération de récupération des biens de l'État spoliés. Dans sa communication, son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État. Donc je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du chef de l'État. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Bien avant, le Conseil des ministres du vendredi dernier avait décidé de dépêcher une mission le long du fleuve Congo à Kinshasa pour faire la lumière sur les allégations liées à l'exécution.
Nakov. Les ministres de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu un échange fructueux avec une délégation de l'Organisation internationale du travail, OIT, conduite par Mme Teba Soumano, directrice pays de l'OIT pour la RDC, l'Angola, la RCA, la République du Congo, le Gabon et le Tchad. Le nouveau patron de l'emploi en RDC a à cette occasion plaidé pour l'accompagnement de l'OIT en tant que conseiller du gouvernement en matière du travail, particulièrement dans la formation des qualités des inspecteurs du travail, récemment recrutés des juges et assesseurs du tribunal de travail, l'objectif étant d'améliorer les rendements. Ceci nous a permis de faire le point sur l'accompagnement de l'OIT, notamment la mise en œuvre effective de l'agenda du travail décent. Concernant le démembrement de la prévoyance sociale attaché au ministère de la Santé, la directrice du bureau pays de l'OIT a émis le vœu de voir ses volets revenir au ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux conventions internationales ratifiées par les États membres, dont la RDC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prévoyance sociale est financée par les employeurs et les travailleurs et rattachée au Code du travail. Donc il est important qu'il y ait une bonne cohérence dans les interventions pour que les actions idoines puissent être prises au niveau du gouvernement. Dans le cadre d'une collaboration permanente, Ephraim Akwakwa et Nteba Soumano ont convenu d'organiser mensuellement ces genres de rencontres, surtout que le ministère de l'Emploi et du Travail compte organiser les états généraux de l'Emploi et du Travail, sans oublier les conseils nationaux du travail, CNT. Et puis ce communiqué, le ministère de l'Emploi et du Travail rappelle aux employeurs des entreprises et établissements de toute nature utilisant la main-d'œuvre étrangère qu'au terme des articles 5 et 6 de l'ordonnance numéro 74/098 du 6 juin 1974, révisée par l'ordonnance numéro 77/383 du 29 décembre 1977 portant protection de la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangère. Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement pas obtenu une carte de travail pour étrangers. De même, il est interdit à tout employeur d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement sollicité et obtenu une carte de travail au bénéfice de ce dernier. À cet effet, un moratoire de 60 jours à dater de la publication du présent communiqué est accordé aux entreprises et établissements de toute nature concernés pour se conformer à ces dispositions légales et réglementaires. C'est un communiqué signé Ephraim Akwakwa Nametou, ministre de l'Emploi et du Travail. Les différences de vue à Moanda, au Congo central, entre les communautés locales et la société Perenco étaient sur la table. Le ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, a réuni les parties prenantes pour un dialogue constructif. Edi Tchala. Je suis parvenu à briter un prétoire ou un tribunal. Donc, au contraire, favoriser un dialogue. C'est en ces termes que le ministre des Hydrocarbures, Sakombi Molendo, a pris la parole devant le caucus des députés du Congo central, les représentants des communautés locales et les hauts cadres de la société pétrolière Perenco. Présidée par le ministre lui-même, la réunion de Moanda a permis de faire le tour de toutes les questions qui divisent la société Perenco et la population de Moanda. Pour les fils et filles de Moanda, les retombées de l'activité de Perenco doivent impacter le social de Moanda et du Congo central en général. Nous sommes partis du constat que le Congo central, il y a un contraste entre une province qui produit du pétrole et une province extrêmement pauvre. Et donc au nom de la population, nous sommes allés vers le ministre pour que pendant les 5 ans, nous puissions connaître les tenants et les aboutissants liés à l'exploitation du pétrole dans notre province.
En vacances parlementaires, les élus de cette province veulent accéder à la convention de 1969 qui lie le gouvernement congolais et la société Perenco et au besoin l'adapter à l'évolution des réalités modernes. Parmi les autres questions soulevées figure l'approvisionnement du compte du comité de concertation du territoire de Mwanda, CCTM, ainsi que la mise sur pied du fonds pour les générations futures. Un groupe d'étudiants congolais de la faculté de polytechnique et ceux de la Haute École de Bruxelles ont conçu une machine de captage de déchets en plastique dans les cours d'eau pour lutter contre la pollution des rivières. Ces étudiants ont fait un essai ce mardi sur le fleuve Congo. Alain Bikaï. L'une des missions de l'université, c'est d'apporter les solutions aux problèmes de la société. Sur financement de l'Académie des recherches des enseignements supérieurs belges, un groupe d'étudiants congolais de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa et ceux de la Haute École de la Belgique ont conçu une machine de captage des déchets en plastique dans les rivières. Sous la supervision du professeur Adim Bouivis, doyen de cette faculté, et professeur Bouvig, ces étudiants ont procédé à l'expérimentation de cette machine. Soit réalisé à grande échelle et donc peut-être l'État intervient et qu'on construit quelque chose de plus grand. Après les tests, les résultats se sont avérés concluants et les vice-doyens invitent les pouvoirs publics à soutenir les chercheurs congolais. Vous voyez qu'on a un sérieux problème de la gestion des déchets, surtout les déchets plastiques, ici au niveau de Kinshasa. Et donc ce genre d'équipement développé par les étudiants pourra servir et ils découvriront les différents cours d'eau et pourront aider à récupérer tous les déchets pour les ramener à bon port. Aux autorités du pays, c'est les types de projets qu'il faut encourager. Donc si le gouvernement congolais peut mettre aussi des moyens pour qu'on puisse réaliser avec à plus grande échelle un tel prototype, ça sera assez intéressant. Cette invention va contribuer sensiblement au nettoyage de nos cours d'eau et renforcer la lutte contre la pollution de nos rivières et la protection environnementale. Le groupe d'amitié France-Afrique centrale réaffirme le principe universel de l'intégrité du territoire. Des propos tenus ce mardi à la primature à l'issue d'une séance de travail avec la première ministre. Ces élus français sont en séjour à Kinshasa dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire. Reportage, Jemima Mogo, Pompomba. La cause de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise, défendue au-delà des frontières nationales. Le groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat, conduite par son président, le sénateur Guillaume Chevrolier, a vite pris position et l'a fait savoir à la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka, au cours de cet échange. Les parlementaires sont là pour voir les réalités du pays et sont dans une action de diplomatie parlementaire. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est la paix, le respect de la souveraineté des États, la paix est le préalable au développement. Et, on appelle à une médiation et à ce que la paix soit retrouvée dans cette partie de l'Afrique. Un séjour dans la capitale congolaise dans le cadre du renforcement des liens parlementaires entre Paris et Kinshasa après la dernière visite d'État effectuée en France par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, ces élus ont également discuté des sujets relatifs à la santé, à l'éducation et à la coopération décentralisée. En rapport avec le dernier point, ces sénateurs ont fait part des expériences françaises à la chef du gouvernement afin d'apporter une contribution au développement du pays. Le Premier ministre honoraire a déclaré ce mardi son patrimoine à la Cour constitutionnelle. Jean-Michel Samalukonde Kenge s'est conformé aux prescrits de la Constitution, nous dit Janine Kalinga. Comme à son entrée en fonction en 2021, le Premier ministre honoraire Jean-Michel Samalukonde s'est conformé ce mardi 9 juillet 2024 aux prescrits de l'article 99 de la Constitution en allant déclarer son patrimoine devant la Cour constitutionnelle, la haute juridiction judiciaire de la République. Un acte républicain qui prouve à suffisance son sens élevé d'intégrité et de transparence après avoir occupé des fonctions importantes au pays. Samalukonde reconnaît cet exercice
constitutionnel. C'est un exercice que nous faisons en entrée de fonction. Nous l'avions déjà fait ici même. Et à la sortie de fonction, nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence, de gestion. Et donc, nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance parce que cela nous avait été demandé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous avons voulu nous conformer. Le Premier ministre honoraire a par ailleurs remercier la Cour constitutionnelle à travers son président Dieudonné Kamuleta pour la bonne collaboration durant l'exercice de ses fonctions à la primature. Nous remercions surtout la collaboration que nous avons eue avec la Cour constitutionnelle, tout le temps que nous avons eu à travailler au niveau de la primature et tous les autres services judiciaires avec lesquels nous avons aussi travaillé. Fidèle à lui-même ainsi qu'au chef de l'État qui lui fait confiance, le Premier ministre honoraire Jean-Michel Samalou Kondé Kengé, le féru de la transparence, de la bonne gestion et du respect des lois, s'est acquitté de ce devoir ce jour. Et puis, ce communiqué avant de terminer ce journal, la Banque centrale du Congo compte acquérir pour son fonctionnement des consommables informatiques, des fournitures, des bureaux, des imprimés ordinaires et des consommables pour le traitement des billets de banque en marché à banc de commande. La Banque centrale du Congo sollicite les offres pour supplis fermés de la part des candidats répondant aux qualifications requises pour lui fournir des différents articles répartis en quatre lots distincts, à savoir des consommables informatiques, des fournitures, des bureaux, des imprimés ordinaires, des consommables pour le traitement de billets des banques. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats. Les exigences en matière de qualification sont: les candidats doivent fournir les états financiers certifiés pour les trois derniers exercices. Le candidat doit justifier un chiffre d'affaires moyennant des années suivantes 2020, 2021 et 2022. Le candidat doit fournir documentation à l'appui, contrat, bon de commande, bon de livraison, les références d'au moins trois marchés similaires exécutés. Et enfin, le candidat doit prendre l'engagement écrit de fournir à la banque la meilleure qualité de produits proposés. L'obtention du dossier d'appel d'offres se fera au secrétariat de la cellule de passation des marchés sur présentation d'un bordereau du versement obtenu au siège de la BCC après un paiement non remboursable de 1 410 000 francs congolais au compte courant de la BCC numéro CC 11 000 072. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 7 août 2024 à 11h30. C'est un communiqué signé Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal. Fanny Malonga était à la rédaction. Le prochain journal, c'est à 23h avec Jemima Mou.